Et salut à toutes et à toutes, je suis Emile Bossé. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode numéro 9 de notre aventure suivie sur l'île survie, dans laquelle aujourd'hui nous allons réaliser encore des objectifs. Alors, je songe à l'objectif de faire un ascenseur et faire des rails, un petit réseau ferré pour pouvoir monter jusqu'en haut de notre île. Donc, je pense que on va commencer par l'objectif de l'ascenseur. Petit lag, hop, c'est bon, c'est reparti. Alors, donc déjà, pour pouvoir faire notre objectif de faire un ascenseur, il va nous falloir beaucoup de fer déjà. Hop. Donc des escaliers qui nous permettent de monter très vite. Hop, voilà, on continue de monter. On continue, et c'est bon, on est arrivé en haut. Donc vous pouvez voir hein, nos petits animaux avec le petit mouton qui est ici. Alors, du fer. Ça va être chaud. On n'a qu'un seul lingot de fer. Bon, on va pas pouvoir réaliser l'objectif de l'ascenseur. Ni l'objectif des rails. Bon, bah on va essayer de trouver du fer alors. C'est parti. Hop. Donc si on pouvait descendre vite, ce serait cool. Ah non, on peut pas sauter, bon c'est pas grave. Hop. Il faut courir. Ok, c'est bon, on est arrivé en bas. On tourne à droite. Et on va continuer de miner, voir si on trouve un petit peu de fer. Pour pouvoir enfin... pouvoir réaliser nos objectifs qu'on s'était fixés. Hop, voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours me mettre de nouveaux objectifs dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y en a un qui vous vient à l'esprit, bah, vous pouvez le mettre. Alors, donc déjà j'avais vu de la redstone. Hop. Récupérer. Avec du charbon que nous allons miner juste pour vérifier qu'il n'y a pas de fer derrière. Hop. Non, il n'y a rien. On continue de miner, mais je pense pas qu'il y en aura. Eh ben non. Donc je tiens à vous rappeler qu'on est en 1.24 normalement ou 1.25, attendez, non, je crois que c'est la 1.24 que j'ai actuellement et que je pense tout le monde a, donc hop, ok, donc on a que du charbon et on n'a pas de fer, bon c'est pas grave, ok, c'est pas grave. On va juste boucher ça. Hop. Alors. Donc on va miner avec une torche. Donc oui, je sais, c'est pas très pratique, mais bon, c'est pour pouvoir bien miner. Hop, voilà. Alors, donc on est toujours en mode survie. En facile, je crois, ou en moyen, je sais plus. Non, non, je sais pas. Je pense que c'est facile, il me semble. Bon, au moins on a les monstres, donc ça va. Hop. Bon, ce charbon-là, on va le laisser parce que j'en ai marre de miner toujours du charbon. Yes. On a du fer. Ok, donc on en a assez pour nous faire bah, un wagon de mine, hein, un chariot plutôt. Hop, allez, on continue de miner. Donc j'entends une petite chauve-souris, je sais pas si vous l'entendez aussi. Donc elle doit être par là, dans une grotte, mais pour l'instant je la vois pas. Donc j'ai encore du fer.
Ok. Donc on continue de miner. Oh. Pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait du diamant. Voilà, donc de la redstone. Ça peut toujours être utile. Donc on va la récupérer. Et... C'est une grotte. Alors j'ai trouvé une grotte, donc on va faire un truc. Hop. Alors, on va se faire des torches. Ok. Ouais. Donc ce sera là qu'il faudra continuer à miner tout à l'heure. Donc on va explorer. Allez, c'est parti. Yes, du fer. Voilà. Donc on a récupéré ce minerai de fer. Alors, on va pas aller ici, on va plutôt aller là. Donc voici la chauve-souris de tout à l'heure. Yes, de l'or. L'or, c'est un bon minerai, surtout pour, pour des boussoles, des montres et des trucs comme ça. Du fer. Ça peut aussi beaucoup servir pour quand on fait des rails de propulsion ou des rails booster hein, si vous avez le Minecraft en anglais. Hop. Voilà. Donc les grottes, c'est vraiment un bon moyen de trouver du fer. J'ai cru. Oh! Ah bah c'est bon, regardez, on vient de trouver du diamant. Ah, le boss. Ok, donc le diamant. Alors déjà, on va sécuriser le diamant. Ce serait vraiment très dommage de devoir perdre ce diamant. Ok, c'est bon. Un petit truc pour pouvoir monter. Un diamant. Deux diamants. Bon, bah c'est pas mal déjà, regardez. Mince, c'est ça. Deux diamants. Hop. Donc on va sauvegarder. Ok, voilà. Donc on va remonter. Allez. Donc je voulais juste un truc. Par où je suis venu moi déjà? Par en haut. Ouais, c'est ça. Alors donc il y a un truc que je voulais dire déjà, j'ai dû oublier. Wow, il m'a fait peur. Ah, je vous dis pas comment j'ai sursauté là. Je m'attendais vraiment pas à avoir un creeper qui allait sortir. Bah, de la grotte juste à côté, bon. J'ai été surpris. Peut-être vous aussi, mais bon. Alors, on va retourner dans notre petite mine. Hein. Hop. Dans notre. Comment dire? Bah ouais, notre mine optimisée. Donc déjà, on va se faire du bois, des torches. Hop. Et c'est parti, on continue de miner un peu. Voilà, on mine. J'ai plus de pioche, il me restait en diamant, mais bon,
toute façon, on est sur du gravier, donc c'est plus la peine de miner. On va retourner à la maison. On va faire cuire notre fer, déposer nos deux diamants. Et puis, on va commencer à réaliser l'objectif, vu que maintenant, je pense qu'on a eu assez de fer. Donc, ça va être cool. Hop, waouh, je fais des très grands sauts. Je sais pas si vous voyez mon personnage, comment il va hyper vite. Ah bah non, petit problème, hop, voilà. Voilà. Et c'est la nuit, comme par hasard. Alors déjà, le diamant. Donc, on m'avait donné un objectif qui était de réaliser une salle avec une table d'enchantement. Alors, je pense que je vais pouvoir le réaliser maintenant. Donc, table d'enchantement, il faut 4 obsidiennes, 2 diamants et un livre. Un livre. J'ai pas de livre. Mais on va... Attendez. Je n'ai pas de canne à sucre. Comment ça? Ah bah non, j'en ai pas. Bon bah j'ai pas de canne à sucre, donc on peut pas se faire de livre. Allez, on est bloqué. Hop. Voilà. Donc on est bloqué, c'est dommage. Je revérifie une deuxième fois. Non, c'est bon, on n'a pas de canne à sucre. Bon bah la table d'enchantement, ce sera pour plus tard. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, fer, or, pierre. Ok, donc ça on sort. Ça, on va faire cuire déjà. Ça, on retire. Non, on va peut-être en récupérer un peu. Un peu de pierre taillée, ça peut toujours servir. Voilà. Alors, pour notre objectif, qui est de faire un ascenseur pour pouvoir remonter, il va falloir miner et se fabriquer des minecarts. Donc c'est parti. Alors, juste avant, il va nous falloir des panneaux. Donc il y a du bois, voilà. Hop. Voilà. Donc normalement, ça devrait toujours marcher. Il nous faudra quand même des rails, ça c'est sûr. Hop. Hop. Et on va mettre ce charbon. Alors, donc déjà des rails. Donc ça se fait ici. Hop. Voilà. Donc on en a 16. Alors pour l'instant, 16, ça va être assez. Surtout qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Pour construire un ascenseur, on n'aura besoin que de 1. J'en prends 4 au cas où, mais bon. Normalement, c'est 1 qu'il faut. Voilà. Alors, juste voir un truc. Ok, donc si je descends, il va falloir trouver un bon endroit. Donc, je pourrais descendre à l'intérieur, là, par ici. Ok, on va faire ça. Alors, un ascenseur. Bon, on va le faire là. Oh, trois moutons. Hop, donc on va faire ici l'ascenseur. Alors, comment on va faire ça déjà? Donc, on va mettre un panneau. Voilà. Ensuite, par-dessus, on rajoutera une pierre taillée. Merci de me donner ça. Il nous faut un minecart. Donc, ils sont là. Ou plutôt un wagonnet. C'est pareil.
On va retirer bah, ça. On va retirer ça. Donc voici comment faire en ascenseur. Donc on fait ça. Ça. Et on casse celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Je sais c'est quoi le problème. Il me faut aussi des tapis. Hop. Ah, je crois que je pouvais m'en faire encore. Oui. Donc on refait. Alors. Donc ça, on retire, on retire et on retire. Il nous faut un panneau, un tapis. Ensuite, on dépose ça. Ok. Par-dessus, on met un rail, un wagonnet. Et non, ça marche pas. Voilà, là, ça va marcher. Ok. Voilà, c'est bon. Donc c'est ça, et puis ensuite, non, ça marche lorsqu'on veut descendre et tout. Donc déjà, ici je pense que je me suis trompé. Oui, je sais, c'est casse-tête. Alors, ça, ça, ça. Et on retire. Ok, donc là ça va. Lorsqu'on est dans un wagon, il faut un écart de 3. Ok, donc il faut un écart de 3 blocs. 1, 2, 3. Et c'est ici qu'on va mettre l'autre. Non, merci. Voilà. Et un minecart. Hop. Voilà. Ok, donc là on peut monter. Est-ce que en étant en haut on peut descendre? Non. Oh, donc c'est le petit problème. Donc hop. Il faut le remonter d'un cran. Ok. Donc il va falloir faire ça de tout en bas parce que là. Faut faire ça d'en bas, ok. Alors c'est vraiment, vraiment compliqué. Hop. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais que c'est que c'est lent et vraiment c'est casse-tête. Hop. Donc on descend. Une torche. Hop. C'est bien haut, je pense qu'on va pouvoir jeter juste un coup d'œil pour voir où on en est. Hop. Alors. Alors on va compter donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, peut-être 13 blocs. 1, 2, mince. Non, c'est pas ça, c'est ça. On va faire un truc beaucoup plus simple. On va venir en bas. Donc l'entrée est là. On va le mettre ici. Ça on remet. Pardon, pouvez-vous vous pousser, merci. Donc on va faire ça rapidement, hop. Comme ça. Une torche. Et on arrive là. Bon. Donc on va y arriver. Donc on mine, hop. Donc normalement, soit on tombe dans la grotte, soit on tombe dans le petit couloir que j'ai fait. Et on tombe dans la grotte. Juste à côté de notre mine optimisée. Hop. Bon, au moins ça va être pratique. On pourra remonter des deux côtés. Voilà. Ça reste là. Ça, on va boucher. Ok, donc notre ascenseur, on va le faire là. On va se faire quand même une porte. Possible. Hop, ça sort. Ça va là. J'en avais déjà un en plus, c'est ça le pire. Hop. Ça va là. Et on se fait une porte, alors. Une porte en bois tropical. Donc c'est vrai que c'est beau les portes en bois tropical vu qu'on peut voir à travers grâce à la petite fenêtre. Donc ça c'est vraiment c'est intéressant. Donc vous voyez mon item est parti. C'est pas grave. 1, 2, 3. Ok, donc c'est ça. Waouh, ça va me demander beaucoup de ressources. Comment on va faire? Ouais, on va rester comme ça. Donc il va nous faire ça. On met ça. Faut. Non, non, en fait, non. J'ai rien dit. Hop. Voilà. Et ensuite, quand on est là et qu'on clique en haut, on peut monter. Donc voilà, donc nous avons déjà la base de notre ascenseur que nous continuerons sûrement dans le prochain épisode. Vu que là, ça commence déjà à faire beaucoup. Donc, ouh. Attention, parce que si jamais je tombe d'ici,
ça va faire très très mal. On peut déjà dire que bah je meurs hein, si je tombe. Donc ça fait déjà 25 minutes d'épisode. Donc merci d'avoir regardé cet épisode numéro 9 de notre aventure suivie. Donc dans le prochain épisode, nous allons finir l'ascenseur si nous avons assez de ressources. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre un petit j'aime. Et ben voilà. Merci de mettre un petit j'aime. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de notre aventure suivie sur l'île survie. Hop, allez, salut à tous!